Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue parmi nous. Au sommaire, bonne nouvelle pour le footballeur camerounais Nuhu Tolu. Lors de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun Total Energy 2021, après Vincent Aboubakar, le défenseur camerounais Nuhu Tolu compte meilleur joueur de cette édition grâce à sa bonne prestation avec les Lions Indomptables. Depuis lors, il est de plus en plus sollicité par de nombreux clubs. C'est du côté des États-Unis où il évolue que la bonne nouvelle est tombée. Il vient d'avoir la green card américaine. Le Seattle Sound FC a annoncé que Nuhu Tolu a obtenu la green card américaine, lui donnant le statut de résident permanent aux États-Unis avec effet immédiat. Avec ce statut de résident, le joueur n'occupe plus la place d'extra-communautaire. Pour le moment, je suis joueur de Seattle. Je ne peux pas me prendre la tête maintenant. C'est vrai qu'il y a 2 ans, j'aurais pu aller en Europe, mais cela n'a pas abouti. Je vais rentrer et continuer à travailler dans mon club et pouvoir espérer dans le mercato de juin rejoindre un grand club européen, avait-il déclaré au micro de la télévision nationale du Cameroun. À 24 ans, l'ancien joueur de Botafogo FC de Douala a encore une bonne marge de progression à faire. Nous lui souhaitons bonne chance et que de la joie dans sa vie. Restez connectés pour la suite des informations, je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.